Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Cette parole est une de phrases d'évangile gravée sur le centre Jean 23 à Fatima, au Portugal. Fatima était un tout petit village perdu lorsque le 13 mai 1917, en pleine guerre des tranchées en Europe, trois jeunes bergers confessent à leur curé avoir vu dans les collines une dame plus brillante que le soleil, au sommet d'un chêne vert. Elle leur a dit de revenir à cet endroit tous les 13 des mois suivants pour leur parler. La nouvelle des apparitions de la Vierge se répand et bientôt des milliers de personnes sont présentes pour la voir, mais elle ne se montre qu'aux trois petits bergers. Les enfants sont même emprisonnés en août 1917 pour éviter des troubles à l'ordre public. Mais la Vierge se montrera à eux quand même le 19 août, une fois qu'ils seront libérés. En tout, elle se montrera 6 fois jusqu'au 13 octobre 1917, où selon les voyants et les témoins présents à ce moment, le soleil ressemblait à un disque d'argent que l'on pouvait fixer sans difficulté. Il tournoyait sur lui-même comme une route en feu qui paraissait se précipiter sur la terre. Une seule enfant, Lucie, celle qui avait 10 ans à l'époque, survivra jusqu'en 2005. Elle sera religieuse à Coimbra, qui est une ville voisine. Le message de la Vierge aux trois bergers est de prier le rosaire et les fameux secrets qu'il ne devait pas révéler. Le rosaire est la méditation des mystères chrétiens en récitant le chapelet en souvenir de Notre-Dame. Il est organisé depuis tous les jours sur le sanctuaire. Le premier des messages de la Vierge porte sur l'image de l'enfer. On pense à celui de la Première Guerre mondiale qui est en cours et dans laquelle le Portugal est impliqué depuis 1916. Le deuxième message, qui restera secret jusqu'en 1942, est la demande de la Vierge de consacrer la Russie à son cœur immaculé. En effet, en 1917 a lieu la Révolution d'Octobre, qui porte les communistes au pouvoir et entame une longue période d'interdiction de l'Église catholique dans le bloc de l'Est. Enfin, le troisième secret, qui déchaîne les passions et la curiosité millénariste, a été révélé en 2000 sous une pluie de critiques et de moqueries. La Vierge aurait donné un message obscur et interprétable à l'infini, qui est communément compris comme l'annonce de l'attentat contre Jean-Paul II au Vatican en 1981, qui faillit lui coûter la vie. Le lien avec la consécration de la Russie communiste est flagrant. Jean-Paul II, pape polonais, élu en pleine guerre froide, est considéré comme ayant eu un rôle déterminant dans l'effondrement politique du bloc communiste. Depuis, des millions de personnes se pressent en pèlerinage dans ce lieu. Pas de miracle ou de guérison à attendre comme à Lourdes, la Vierge n'a pas promis de miracle aux pèlerins. On a construit une chapelle sur le lieu même des apparitions, puis la basilique a été construite en 1931 et divers bâtiments. Le dernier en date est ce centre flambant neuf et moderne, le centre Paul VI, en souvenir de ce pape qui est venu rendre visite au sanctuaire en 1967. Pareil pour le troisième millénaire, le sanctuaire se porte bien sur le marché du tourisme spirituel.